Alors, c'est quoi que tu as fait aujourd'hui, mon amour? Un feuilleté saumon. Oui, une recette tout à fait aisée. Et oui, comme d'habitude, vous allez voir, extrêmement facile. Et encore une fois, avec une base. Et la base, c'est la pâte feuilletée et le saumon. Après, vous allez mettre ce que vous voulez. Pâte feuilletée, pur beurre. Toujours pur beurre. Ah bah oui. Hein, ça, c'est essentiel. De Normandie. Et en plus, regarde, je l'ai trouvé rectangulaire, ce qui me plaît bien pour ce que je vais faire. Oui. Donc, on étale sur un tapis silicone. Comme ça, ça évitera que ça attache, ou un papier sulfurisé, comme vous voulez. Un morceau de saumon, là, il y en a 300 grammes. On aura enlevé la peau. On aura enlevé la peau en dessous. Bien dit, mon amour. Bah, et on l'aura... La peau, elle est souvent en dessous. Et on l'aura désarrêté aussi. À désarrêter. Tu vois, avec ma petite pince épilée. Mmh. Voilà, pour désarrêter les arêtes du saumon, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc désarrêter les arêtes, oui. Voilà. T'arrêtes pas. Non, j'arrête pas. Donc déjà, on va mettre du sel, de la fleur de sel. Allez. Vas-y. De la fleur de sel, du poivre. Ça, c'est tout ce qui est assaisonnement. Donc, fleur de sel et poivre obligatoire. Ensuite, je mets une pointe de curry dessus. Alors ça, après, c'est ce que vous voulez. Toi, t'en mets partout. Toi. Du curry, du curcuma, partout. Et du paprika aussi. Il n'y a que la tarte aux pommes, mais sinon, t'en mets partout. Partout. Le curcuma. Ensuite, on va mettre un peu, beaucoup d'herbe. Même. Un peu. Vas-y. Beaucoup. Un petit peu d'herbe par-dessus, ça c'est bon. J'ai pris des petits oignons. On va mettre les petits oignons. Il y en a haché. Il y en a haché, oui. Des petites pointes d'asperges vertes. En plus, c'est simple parce qu'on n'a pas besoin d'épeler. Hop. Voilà. Je t'en mets 4 comme ça. Et puis, je vais mettre un peu de mozza. Ah oui? Oui. Mais je sais que tu n'aimes pas la mozza. Et maintenant, on va plier. Et pour ça, je vais faire des petites strings. Hop. Tu vois, on va faire une tresse. Bon, je sais que tu as plein de cheveux, mais on n'a jamais fait des tresses. Ça ne m'empêche pas de stresser trop mal. On a préchauffé le four à 200 degrés. Très important. Et ceux qui n'ont pas d'œufs ou qui ne prennent pas d'œufs, je mets un peu de lait. Tiens, tu veux. Mmh. Oui, c'est pareil. Ah bon? Oui. Ouais, bah, déjà, mets un petit peu de lait dessus. Voilà, allez, hop, au four pendant 25 minutes. Ah, voilà la bête. Voilà, voilà la bête. Ah oui, c'est vrai, ça a doré un peu. Hein. Tu vas la couper? Yes. La bête. Je crois que mon côté est plus petit que le tien. Ben, c'est le côté mozzarella. Ah bah oui, c'est vrai, c'est le côté mozzarella. Oh, c'est beau, hein. Voilà. L'autre. C'est vraiment... Alors, hop, un petit chouïa, l'huile d'olive, et un petit peu de citron, comme ça. Mmh. Et un petit peu de fleur de sel. Tu voudras mettre du poivre, toi, je suppose. Écoute, faut goûter, je dirais. Eh bien, tiens, goûte. Mmh. Verdict. Mmh. T'aurais pu mettre un peu de mozzarella, non? Écoutez, pardon. Hein? Mmh. On est mort. C'est bon, non? C'est parfait. La cuisson du saumon, bien? Parfait. Hein? Ah ouais. Non. Avant le pot-au-feu, c'est génial. Avec une petite salade. N'oubliez pas. Ah oui. N'oubliez pas. Si. N'oubliez pas. Que si je peux, vous pouvez. Si je peux le manger, vous pouvez aussi. Vous m'avez.